Allez, c'est reparti pour un petit peu d'anglais. Allez, c'est reparti pour un petit peu d'anglais. J'ai encore un retour audio. Voilà. Allez, c'est bon, c'est tout mute. Une traduction est une version dans une autre langue. Translation. Le juge s'endort pendant que l'avocat parle. The judge is falling asleep while the lawyer is talking. Mon employeuse cherche un nouveau comptable. Mon employeuse, Mon employeuse cherche un nouveau comptable. Il faut que notre équipe de travail grandisse. Alors, il faut... Il must our work team grow? Our work team must grow. Our work team must grow. Tu as déjà fini son rapport, tu es si efficace. Déjà fini son rapport, tu es si incroyable, efficace, incroyable. You already finished his report. You are so efficient. Il faut que vous vous réunissiez pour en discuter. You must. You must ask them to chat about it. J'aimerais une copie du rapport de l'ingénieur. Copie. J'aimerais une copie du rapport, de l'ingénieur. Ingénieur. I would like a copy of the engineer's report. Elle étudie le droit dans le but de devenir juge. She is studying. Elle étudie le droit. She is studying the law. She is studying the law with the goal of becoming judge. She is studying law with the goal of becoming a judge. Je n'ai pas très bien compris sa conclusion. Hey. Très bien compris sa conclusion. I did not understand her conclusion very well. Il faut que vous finissiez de lire ce rapport pour demain. Demain. You must finish reading this report for tomorrow. Quand est la traduction? Non, quelle est la traduction en chinois? Chinois. Non, quelle est la traduction? Français. Il faut que notre équipe de travail grandisse. Our team work must grow. Non. Elle étudie le droit dans le but de devenir juge. She is
studying law with the goal of becoming a judge. She is studying law. Quelle est la traduction? Quelle est la traduction en français de ce caractère chinois? What is the French translation of these Chinese characters? Il faut que notre équipe de travail grandisse. Our work team must grow. Yeah. Il en a marre parce que son employeur ne parle pas. Non, ne fait pas les. Ne paye pas les heures supplémentaires. He is fed up because his employer does not pay for extra hours. Ils choisissent un spécialiste en agriculture. Tant. They are choosing an agricultural specialist. Pour les ingénieurs en informatique, il trouvera une solution à. Problème d'ordinateur. Paul is a computer science engineer. He will find a solution to your computer problem. Ingénieur en informatique, mon frère déteste ses heures de travail irrégulières. Si son employeur ne trouve pas de solution, mon frère cherchera un autre emploi. Les enfants peuvent déjeuner sur leur lieu de travail. Les employés. Je voudrais faire carrière dans l'agriculture bio. C'est bien, tu adores être dehors. That's it's good you love being outside. En cherchant bien, ils trouveront une solution. Cherchant bien, ils trouveront une solution. By searching well, they will find a solution. Ton nouveau lieu de travail te plaît? Oui, c'est à 5 minutes de la maison. Yes, it's 5 minutes from the house. Ces employeurs ont beaucoup de responsabilités. Ont beaucoup de responsabilités. These employers have a lot of responsibilities. Il y a une solution pour chaque problème. Il y a. There is a solution for every problem. Sarah adore être dehors et elle voudrait travailler. Non. Ah oui, c'est ça. Sarah loves being outside and she would like to. Ils applaudissent ce spécial en temps. En. They are applauding this agricultural specialist. Cet insecte, le spécialiste en agriculture, ne le connaît pas. Pourtant, il mange des champs de maïs entiers. Comme solution, on décide de trouver un autre expert. My employer is looking for a new accountant. Mon employeur cherche un nouveau comptable. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. Réunissent à côté de leur lieu de travail. They are assembling next to their workplace. Mon employeuse cherche un nouveau comptable. My employer is looking for a new accountant. They assembly after their work hours. Ils se rassemblent? Non. Ils se réunissent après les heures de travail. Ils se réunissent
après adhèrent leurs heures. Les enfants peuvent déjeuner sur leur lieu de travail. Les enfants, non, les employés. Employers can have lunch at their place of work. They assemble after their work hour. Ils se réunissent après leurs heures de travail. Il nettoyer. To clean. Aéroport. Airport. Pas mal. Not bad. Nous sommes propriétaires de notre maison depuis 2 ans. We have been the owners of our house for 2 years. Les chiens que j'ai aperçus étaient effrayants. The dogs that I saw were. Harry, tu as le droit de tricoter la camionnette que tes parents ont acheté conduire. Are you allowed to drive the van your parents bought? Ce chien m'a mordu, qui est le propriétaire? C'est le monsieur qui parle encore là-bas. It's a gentleman who is running away over there. Le facteur a trop peur de notre chien, donc il ne nous... apporte plus le courrier. The mail courier is too scared of our dog, therefore he no longer brings us the mail. La nouvelle factrice est un peu effrayante. Nouvelle factrice est un peu effrayante. The new mail courier is a little scary. Mes voisins sont franchement effrayants, j'ai vraiment peur de leur parler. My neighbors are honestly scary. I'm really afraid to talk to them. L'incendie était effrayante, mais tous les résidents de l'immeuble ont pu sortir. Après, le propriétaire a continué à demander le même loyer. Pour les résidents, c'était inacceptable. En général, les propriétaires que j'ai connus Connu. Ont été corrects, mais j'ai connu deux propriétaires insupportables quand j'ai habité à New York. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. Camionnette que tu as achetée ne est pas mal. This van that you bought is not bad. Mes parents ont acheté une vieille camionnette LED. Acheter. Celle que tu as achetée est pas mal. La factrice l'a mis dans la boîte aux lettres. La factrice. The maker put it in the mailbox. The dog that I saw was scary. Les chiens que j'ai vus étaient effrayants. Les chiens que je ai. Aperçu. Est effrayant. Elle rêve de conduire la camionnette du facteur. Facteur. May carrier. She dreams of driving the May carrier's van. I'm not even scary of the big scary monster. I'm not even scared. Je n'ai même pas peur du gros monstre effrayant. This van that you bought is not bad. This van. Cette camionnette que tu as achetée. It's not bad.
n'est pas mal. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. This Fantasy Boat is not bad. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. C'est quand on entretient avec le recruteur. C'est lundi, j'ai le week-end pour me préparer. It's on Monday, I have the weekend to prepare. La dernière présentation a eu beaucoup de succès. Your last presentation had a lot of success. Vous avez besoin de quelque chose pour la présentation sur le budget. J'ai mon ordinateur, mais il me faut un écran. I have my computer, but I need a monitor. Il faut que je finisse ce projet pour le présenter à l'agence. I must finish this project to present it. Il est 2h du matin, mais il faut que je finisse cette présentation. Pourquoi est-ce que j'attends toujours la dernière minute? Son organisation du temps. I have an important interview for my career. Je ai un entretien important pour ma carrière. Il faut que je choisisse une date pour la réunion. Que je choisisse une date pour la réunion. I must choose a date for the meeting. Alors, ton entretien s'est bien passé? Well, your interview went well. Il faut que tu maigrisses pour mettre ce costume. Que tu maigrisses pour mettre ce costume. You must lose weight to put on this suit. On dit que tu réussis bien tes présentations, il faut que tu les réussisses. Réussisse. Si tu veux continuer tes études. Il faut que tu applaudisses, la présentation est finie. Il faut. You must applaud. The presentation is over. Il faut que tu choisisses quand tu vas applaudir pendant ton entretien. You must choose what you are going to wear during your interview. Il faut que tu réussisses cet entretien. Si tu ne travailles pas, je devrais quitter ma carrière de peintre. Il va sûrement bientôt décoller. Cet artiste n'a pas assez d'argent. Il faut que tu applaudisses tout ce que le chef dit. Que tu applaudisses tout ce que le chef dit. You must applaud everything that the boss says. Il faut que tu choisisses un bon lapin. Choisissons. Choisisse. You must choose a good lawyer. You must applaud the presentation is over. Il faut que tu applaudisses. La est fini. Well, your interview went well. Alors, ton entretien s'est bien passé. Alors, ton entretien s'est bien passé? Well, your interview went well. Yeah, next. Il faut aussi une signature sur la première page du contrat. The signature is also needed. On the last page of the contract. Vous pouvez me voir vers 16h30, oui, mais il ne faut pas qu'on finisse trop tard. Yes, but we must not finish too late. Il faut que mon avion atterrisse
à l'heure, sinon je serai en retard à la réunion. My plane must land on time, otherwise we will be late to the meeting. Je vous ai rendu mon contrat ce matin. Oui, monsieur, mais vous avez oublié la signature. Yes, sir, but you forgot your signature. Mon collègue finit toujours son travail le premier. Cette fois, il ne faut pas qu'il finisse avant moi. Il faut qu'Hélène finisse des... Finissez. Finisse. Hélène must finish writing her conclusion. Electronic signatures are safe and quick. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Il faut qu'ils choisissent les bons mots. Que ils choisissent les bons mots. They must choose the right words. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. Our company must grow quickly. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Sont sûres et rapides. Electronic signatures are safe and quick. Il ne faut pas qu'ils applaudissent au milieu de la présentation. They must not applaud in the middle of the presentation. Do the experiment before writing your conclusion. Fait. Do the experiment. T. Conclusion. Avant de écrire. Non, fais tes expériences. Avant de. Fais l'expérience avant d'écrire des conclusions. Fais l'expérience avant d'écrire. De écrire conclusions. Il faut qu'il réussisse ses examens pour envoyer son CV. He must pass his exam before sending his resume. Il ne faut pas que mon entretien finisse trop tard parce que je dois chercher mon fils à l'école à midi. Mon entretien commence à 11h. Fais l'expérience avant d'écrire tes conclusions. Do the. Do the. Experiment before writing your conclusion. Il ne faut pas que les enfants remplissent ce formulaire. De toute façon, c'est la signature d'un parent qui est nécessaire s'ils vont faire la sortie scolaire. I have serious doubts about his conclusion. J'ai des sérieux doutes à propos de sa conclusion. De ses conclusions. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. I have serious doubts about his conclusion. Chouette.
Paul. Sénégal. Sénégal. Rapport. Report. J'adore travailler avec lui, il est super efficace. C'est vrai, il sait tout faire. That's it, true, he knows how to do everything. Julie a écrit un rapport que personne n'a lu. Julie wrote a report that no one read. Ce que dit ce rapport n'est pas vrai du tout. Oui, ce sont de fausses nouvelles. Yes, it's fake news. Anna est une collègue très efficace. Elle travaille vite et bien. Anna is a very efficient colleague. She works quickly and does good work. Vous ne lisez que la conclusion des rapports. Passport. Rapport. You only read the conclusion of the reports. Il faut que vous réfléchissiez avant de parler. You must think before speaking. Il faut que nous réussissions à battre ce record. Nous. Réussissions à battre ce record. We must succeed in beating this report. This report work at the newspaper Le Monde. Alors, c'est... Ah, reporters. Ces journalistes travaillent at the newspaper, au journal Le Monde. C'est... reporter. Ah, c'est pas journaliste, ok. C'est reporter... Travail au jour Le Monde. Il faut que vous réussissiez à être plus efficace. Vous réussissiez à être plus efficace. You must succeed in being more efficient. Il faut que vous choisissiez un emploi. Choisissez. Choisissiez. You must choose an efficient employer. Ces reporters travaillent au journal Le Monde. These reporters work at the newspaper Le Monde. You only read the conclusion of the reports. Tu lis seulement la conclusion des rapports. Vous lisez que la conclusion des rapports. Vous ne lisez que la conclusion. Il faut que nous remplissions vite ces documents. Oui. Must fill quickly this document. Fill out. We must quickly fill out these documents. We must succeed in beating this record. Il faut que nous réussissions à battre ce record. Il faut que nous remplissions ce poste rapidement. Les entretiens pour ce poste étaient hier. Aujourd'hui, il faut que nous choisissions un candidat. A candidate. Mes reporters travaillent dur sur leurs articles. Il n'y avait jamais assez de temps. Pourtant, nous réussissions toujours à imprimer le journal. You only read the conclusion of the reports. You only read. Tu lis seulement la conclusion des rapports. Vous lisez. Lisez que la conclusion rapport vous ne lisez vous ne lisez que la conclusion de rapport. Il faut que nous remplissions vite ces documents. We must quickly fill out these documents. Il faut que nous
réussissions les différentes options que vous nous avez montrées. Réfléchissons. We must think about the different opinions you have proposed to us. Je pense qu'il manque d'expérience, non? Mais selon sa mère, il habite ici. Mais selon son CV, il est très qualifié. But according to his resume, he is very qualified. L'ingénieur et son client attendent la décision du juge. The lawyer and his client are waiting for the judge's decision. Le patron a reçu une lettre en japonais. Il lui faut la traduction. Mon assistant est de Tokyo, il la fera ce soir. My assistant is from Tokyo, he will do it tonight. Il faut que tu choisisses le meilleur poste selon l'expérience que tu as. You must choose the best position according to the experience you have. J'ai compris, je n'ai pas besoin de traduction. Compris, je ne ai pas besoin de traduction. I understood, I don't need a translation. Alice a envoyé sa candidature pour un poste dans une entreprise allemande. Alice sent her application for a position at a German company. Tu dis que tu voudrais devenir juge, mais comme tu n'aimes pas étudier et l'université ne t'intéresse pas, il faut que tu choisisses une autre option. Selon le rapport, il faut qu'on choisisse cette option. According to the report, we must choose this. Selon le rapport, il faut qu'on choisisse cette option. According to the report, we must choose this option. Il ne faut pas qu'il choisisse cette option-là. Nation. Option. We must not choose that option. J'ai envoyé ma candidature et j'ai eu un entretien. Envoyé ma candidature et j'ai eu un entretien. I sent my application and I had an interview. These translations are close to the original text. Ces traductions sont proches du texte original. Nerveux, nous attendons les conclusions du juge. Juge. Nervous, we are waiting for the judge's conclusions. Il faut qu'il choisisse la bonne candidature. He must. He must pick the right application. I sent my application and I had an interview. Je ai envoyé ma candidat et je ai eu un entretien. L'opinion que tu as choisie est la bonne, mais il faut que le reste de l'équipe choisisse aussi la bonne réponse pour gagner. I'm sending her the Spanish translation of this report. I'm sending her. Je lui envoie la traduction espagnole de ce rapport. Alors, ton entretien s'est bien passé? Well, your your interview went well. You only read the conclusion of the reports. Vous lisez que la conclusion des rapports. Ne lisez des. Ne lisez que
La des rapports. Il faut que nous remplissions vite ces documents. We must quickly fill out these documents. Les employés peuvent déjeuner sur leur lieu de travail. Employers can have lunch at their place of work. This assembly after their work hour. Ils se réunissent après leurs heures de travail. I have serious doubts about his conclusion. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. Il ne faut pas qu'il choisisse ce poste-là. He must not choose that position. His reports, articles are read a lot. Les articles de ce reportés sont lus. Il ne faut pas qu'elle finisse ça trop tard. They must not finish too late. They must not finish this too late. Il ne faut pas qu'elle finisse ça trop tard. They must not finish this too late. He must not choose that opinion. Il ne faut pas que il. Il ne faut pas qu'il choisisse cette. Il ne faut pas qu'il choisisse cette option. Option. I must finish preparing my presentation. Il faut que je finisse de préparer ma présentation. Il faut que je finisse de préparer ma présentation. Il ne faut pas qu'elle finisse ça trop tard. They must not finish too late. Trop tard. They must not finish this too late. Il ne faut pas qu'elle finisse ça. Ah oui. Il ne faut pas qu'elle finisse ça trop tard. They must not finish this too late. Mon employeur ne veut pas me payer plus. Alors travaille pour quelqu'un d'autre. So work for someone else. Si ce type fou est ton employeur, change vite d'entreprise. If this crazy guy is your employer, quickly change companies. Vos recherches sont impressionnantes. Quelle est votre formation? Je suis ingénieur en génie. I am a chemical engineer. Nous devons trouver une solution tout de suite. We have to find a solution right away. Je voudrais faire carrière dans l'agriculture bio. Super, tu adores être dans l'eau. Ingénieur en informatique, mon frère déteste ses heures de travail irrégulières. Si son employeur ne trouve pas de solution, mon frère. Ton nouveau lieu de travail te plaît? Oui, c'est à 5 minutes de la maison. Yes, it's 5 minutes from the house.
they are applauding this agriculture specialist. Ils applaudissent. This agriculture specialist. Ils applaudissent. Ce spécialiste en agriculture. Ok. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. They are. They are assembling. They are assembling. They're next to her workplace. They are assembling next to their workplace. My employer is looking for a new accountant. Mon employeuse cherche. Comptable. Ils se réunissent pour trouver une solution. They are assembling to find a solution. Cet insecte, le spécialiste en agriculture ne le connaît pas. Pourtant, il mange des champs de maïs entiers. Comme they finish their work meeting on time. They finish. Ils finissent. Work meeting, la réunion de travail à l'heure. Elles finissent leur réunion de travail à l'heure. Ils applaudissent ce spécialiste en agriculture. They are applauding this agricultural specialist. Cette vache travaille dans l'agriculture. This cow works. In agricultural, this cow works in agriculture. This cow works in agriculture. Mon employeuse cherche un nouveau comptable. Mon employeuse cherche un nouveau comptable. Mon employeuse. My employee is looking for a new accountant. My employer is looking for a new accountant. Elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en chimie. She got a degree in chemistry engineer. Je voudrais faire carrière dans l'agriculture bio. Super, tu adores être dans l'eau. C'est bien, tu adores être dehors. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. They are assembling next to their. Workplace. Cette vache travaille dans l'agriculture. This cow is working in agricultural. This cow works in agriculture. Agriculture. Je voudrais. Est-ce que c'est bon de dire agriculture hein? Agriculture. Agriculture. Oh yeah, agriculture. Agriculture. Je voudrais faire carrière dans l'agriculture bio. Super.
Super, tu adores être dans l'eau. That is good. You love being outside. Cette vache travaille dans l'agriculture. This goat works in agriculture. 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 This goat works in agriculture. Agriculture. C'est quand on entretient avec le recruteur. C'est lundi, j'ai le week-end pour me préparer. It's on Monday, I have the weekend to prepare. Il faut absolument que tu réussisses ton examen. Choisis. Tu verras, ton examen se passera bien. J'espère, il faut que je le réussisse pour ce job. I hope so, I must pass it for this job. Il est 2h du matin, mais il faut que je finisse cette présentation. Pourquoi est-ce que j'attends toujours la dernière minute? Quel est le problème? C'est une organisation du temps. Vous avez besoin de quelque chose pour la présentation sur le budget? J'ai mon ordinateur, mais il me faut un écran. I have my computer, but I need a monitor. La spécialiste en économie a fait une présentation. Spécialiste. Réussite. Réussite. Claire et intéressante. The economic specialist gave a clear and interesting presentation. On dit que tu réussis. Bien, tes présentations, il faut que tu les réussisses. Réussis. Si tu veux continuer tes études. À l'entretien, on m'a posé des questions bizarres. At the interview. I ask it. At the interview, I ask it word. Questions. At the interview, I was asked word questions. Qu'est-ce que c'est que ça? You must fill the boss cup. You must. Il faut que tu remplisses. Chef. Il faut que tu choisisses un bon avocat. You must choose a good lawyer. You must choose a good lawyer. Il faut que tu remplisses la tasse de la chef. You must fill the cups. The boss cup. Il faut que tu réussisses cet entretien. Si tu ne travailles pas, je devrais quitter ma carrière de peintre qui va sûrement bientôt décoller. Il faut que je choisisse un costume pour l'entretien. I must choose a suit for the interview. I must think about my presentation. Il faut que je réfléchisse à ma présentation. Après avoir envoyé son CV, j'ai eu un entretien. Après avoir envoyé son CV. After. Alors, ton entretien s'est bien passé? When. Your interview.
have you went well? Non, c'est pas went, c'est well. Alors? Well, the interview went well. À l'entretien, on m'a posé des questions bizarres. At the interview, I was asked weird questions. Il faut que tu choisisses un bon avocat. You must to choose a good lawyer. You must choose a good lawyer. Après avoir envoyé son CV, j'ai eu un entretien. After sending 100 resumes, I got an interview. Il faut que tu choisisses un bon avocat. You must choose a good lawyer. Vous pouvez me voir vers 16h30. Oui, mais il ne faut pas qu'on finisse trop tard. Yes, but we must not finish too late. Il faut que l'avion atterrisse immédiatement. Immédiatement. Un des moteurs s'est arrêté. The plane must land immediately. One of its engines stopped. Je vous ai rendu mon contrat ce matin. Oui, monsieur, mais vous avez oublié la signature. Yes, sir, but you forgot your signature. Electronic signatures are safe and kick. Les signatures. Les signatures électroniques sont rapides et sûres. Sûr. Ce journaliste réussit. À intéresser son public. Pour cela, il faut qu'il réussisse à poser de bonnes questions. La conclusion de la réunion n'était pas très claire. Tu as raison, il faut que je parle au patron. You are right, I need to talk to the boss. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. I have. Serious doubts about his conclusion. Tu sais s'il aura la promotion? Non, il faut d'abord que les patrons se réunissent. Non, the supervisor must meet up first. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Electronic signatures are safe and quick. Do the experiment before reaching your conclusion. Do the experiment. Fais l'expérience avant d'écrire des conclusions. Il faut qu'il applaudisse encore un peu pour pouvoir. Non, il faut qu'il grandisse. Grandisse. He must still grow up a little to be able to become a doctor. Il ne faut pas que les enfants remplissent ce formulaire. De toute façon, c'est la signature d'un parent qui est nécessaire s'ils vont. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. He must. Hélène finish chose to write her conclusion. Hélène must finish writing her conclusion. Hélène must finish. Hélène must finish reading her conclusion.
Il ne faut pas que mon entretien finisse trop tard parce que je dois chercher mon fils à l'école à midi. Mon entretien commence à... Fais l'expérience avant d'écrire tes conclusions. Do the experiment before writing your... Fais l'expérience avant d'écrire tes conclusions. Do the experiment before writing your conclusion. Il ne faut pas que l'avion atterrisse ici. He must. The plane does not. He must. The plane does not. Ah, c'est quoi déjà ça? Je sais plus. The plane must not land here. The plane must not land here. He must not think about it too long. Il ne faut pas que il. Il ne faut pas qu'il y réfléchisse. Trop longtemps. He must not think about it too long. Il ne faut pas qu'il y réfléchisse trop longtemps. Electronic signatures are safe and quick. Les signatures électroniques. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. Hélène must finish reading her conclusion. Il ne faut pas que l'avion atterrisse ici. Ah, c'est pas ça. Land here. The plane must not land here. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. Hélène must. Hélène must finish reading her conclusion. Il ne faut pas que l'avion atterrisse ici. The plane must not land here. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. Je ne m'en souviens plus. Hélène must finish reading her conclusion. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. Hélène must finish reading her conclusion.
my finger. La seule personne qu'il a reconnue sur les photos était sa mère. Il n'a pas reconnu sa tante. Le chien que tu m'as donné n'est pas sage du tout. Il m'a mordu et il a mangé mes pantoufles en fourrure rose. Cette femme est en colère contre son mari. This van that you bought, he is not bad. Ce van que tu as acheté n'est pas joli. It's not bad. Ce van que tu as acheté n'est pas mal. Alors, cette camionnette que tu as acheté n'est pas mal. Ok. They are making noise worse. I would like to sleep. They are making noise. Ils font du bruit. Ah, c'est pas alors. Alors que je voudrais dormir, c'est pas alors. Je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est alors ça? Ah ben oui, alors que... Warehouse. Whereas. Warehouse. Warehouse. They are making noise, warehouse. I would like to sleep. I did not see the buttons that you chose. Les chats que j'ai vus tout à l'heure sont partis. The cats that I saw earlier left. Remember the discussion that we had. Rappelle, toi, la discussion que nous avons eue. Je ne porte plus la paire que le chiot a mordu. I no longer... I no longer wear the pair that the puppy bit. Les chats que tu as adoptés sont adorables, mais ils perdent leurs poils partout. Tu peux sortir l'aspirateur et le mettre au travail. Cette femme aime ramasser les poils. Aime une maison propre. J'aperçois quelqu'un dans le jardin des voisins. I can see someone in. Il s'est échappé, mais j'ai pu apercevoir son visage. Alors... He escaped, but I was able to... He escaped, but I was able to.
percevoir. He escaped, but I was able to catch a glimpse of his face. Catch. This fan that you bought is not bad. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. Il s'est échappé, mais j'ai pu apercevoir son visage. He escaped, but I was able to. He escaped, but I was able to. To catch. Je sais plus. To catch. Oh. To catch. Seems off. He escaped, but I was able to catch a glimpse of his face. Il s'est échappé, mais j'ai pu apercevoir son visage. He escaped, but I was able to see, not to catch. Catch a glimpse of his face. J'adore travailler avec lui, il est super efficace. C'est vrai, il sait tout faire. That's it, true, he knows how to do everything. Il faut que vous finissiez ce rapport, mais finissez d'abord celui-ci. Ce que dit ce reporter n'est pas vrai du tout. Oui, c'est une très bonne idée. Yes, it's fake news. Il faut que vous finissiez de lire ce rapport pour demain. You must finish reading this report for tomorrow. Nous avons fini tous les entretiens pour le poste de secrétaire. Good, no, you must choose. We must think about it later. Nous. We must think. Nous y réfléchirons. Nous réfléchirons. Nous réfléchissions. Réfléchissions. Je sais pas. Il faut que nous y réfléchissions plus tard. We must think about it later. Il faut que nous y réfléchissions plus tard. Il faut que nous finissions ce rapport avant ce soir. D'accord. D'accord, tu fais cette partie et moi celle-là. Il faut que nous finissions ce rapport avant ce soir. Ok, you do this part and I will do that part. Il faut que vous réussissiez à être plus efficace. You must. Succeed in being more efficient. Cette présentation était très bien préparée et les clients étaient très intéressés. C'est grâce au travail efficace de cette équipe. You must succeed in being more efficient. Il faut plus que vous réussissiez à être efficace. Vous ne lisez que la conclusion des rapports. You only read the conclusion of the reports. Léa became an international reporter. Léa est devenue une reporter internationale. Léa est devenue une reporter internationale.
Les articles de ce reporter sont beaucoup lus. You only read the conclusion of the reports. Tu lis seulement la conclusion des rapports. Vous lisez. Vous. Ne lisez. Ne lisez. Que. La. Des. Rapports. Il faut que nous remplissions ce poste rapidement. Les entretiens pour ce poste étaient hier. Aujourd'hui, il faut que nous choisissions. Après 12 cafés, je serai plus efficace. After 12 coffee, I will be more efficient. After 12 coffees, I will be more efficient. Ces reporters travaillent au journal Le Monde. These reporters work at the newspaper Le Monde. You must think about it later. Il faut que nous y rêvons plus tard. Les articles de ce reporter sont beaucoup lus. This reporter's articles are read a lot. Après 12 cafés, je serai plus efficace. After 12 coffee, I will be more efficient. Ah bon, after 12 coffees. Ces reporters travaillent au journal Le Monde. These reporters work at the newspaper. These reporters work as a newspaper. Le Monde. Après 12 cafés, je serai plus efficace. After 12 coffee, I will be more efficient. Hard. Oh no. Tout ira bien, il a un bon avocat. Oui, mais on ne connaît pas le juge. Yes, but we don't know the judge. J'ai du mal à comprendre cet article. La traduction utilise des mots que je ne connais pas et les phrases n'ont pas de sens. Je pense qu'il manque d'expérience, non? Mais selon sa mère, il habite ici. Mais selon son CV, il est très qualifié. But according to his resume, he is very qualified. L'option que tu as choisie est la bonne, mais il faut que le reste de l'équipe choisisse aussi la bonne réponse pour gagner. Tu dis que tu voudrais devenir juge, mais comme tu n'aimes pas étudier et l'université ne t'intéresse pas, il faut que mon collègue réussisse la traduction de sa présentation. Je ne m'inquiète pas, il les réussit toujours. Il faut que le juge réfléchisse. Il faut que le juge réfléchisse. The judge must think. Il faut que vous choisissiez une de ces options. You must choose one of these options. You must choose one of these options. We receive at your application 5. Nous avons reçu. Ta candidature. Nous avons reçu votre dossier de candidature. On a reçu beaucoup de candidatures pour ce poste. We received a lot of candidatures. We received a lot of applications for this position.
According to me, she must choose such position. According to me, d'après moi, elle doit choisir ce poste. Selon lui, il faut que nous finissions ça lundi. According to him, we must finish that on Monday. According to him, we must finish this on Monday. We received a lot of applications for this position. Nous avons reçu beaucoup de candidatures pour ce poste. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. We must think about the aux options. About the heavy label. Options. I must think about the possible options. He must not choose that option. Il ne faut pas qu'il choisisse cette option. Il ne faut pas qu'il choisisse. I understood. I don't need a translation. J'ai compris. Je n'ai pas besoin. I don't need a translation. Une traduction. The judge must think. Le juge doit réfléchir. Il faut que vous choisissiez une de ces options. You must choose one of these options. We received your application 5. Nous avons reçu your application 5. Nous avons reçu ton dossier de candidature. On a reçu beaucoup de candidatures pour ce poste. We received. We received a lot of application for this. We received a lot of application for this position. C'est simple. Selon lui, il faut que nous finissions ça lundi. According to him, we must finish this on Monday.
According to him, we must finish this on Monday. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. I must to think about possible options. I must think about the possible options. I must think about the possible options. Il faut que vous choisissiez une de ces options. Voilà. You must choose one of these options. On a reçu beaucoup de candidatures pour ce poste. We received a lot of applications for this position. Selon lui, il faut que nous finissions ça lundi. According to him, we must. Selon lui, il faut que nous finissions. We must finish this on Monday. Yeah. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. I must think about the possible options. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. I must think about the possible options. Oh, eh bien. Ah non. Oh, c'est tout. Il ne faut pas que l'avion atterrisse ici. The plane must not land here. Yeah, we received your application file. Nous avons reçu votre dossier de candidature. On a reçu beaucoup de candidatures pour ce poste. We received a lot of applications for this post. Il faut que vous choisissiez une de ces options. You must choose one of these options. You must choose one of these. Selon lui, il faut que nous finissions ça lundi. According to him, we must finish this on Monday. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. I must think about the possible options. Ces reporters travaillent au journal Le Monde. These reporters work at the newspaper Le Monde. Difficile, difficile. We must think about it later.
Nous y penserons, nous y réfléchirons plus tard. Nous y. Non, il faut. Y, nous, il. Faut que nous y réfléchissions. Faut que nous y réfléchissions. Plus tard. Tard. Il s'est échappé, mais j'ai pu apercevoir son visage. Il s'est échappé. He escaped. But I was able to. He escaped, but I was able to. He escaped, but I was able to. Ah, yeah, I was able to catch a glimpse of his face. Après 12 cafés, je serai plus efficace. After 12 coffees, I was more efficient. After 12 coffees, I will be more efficient. Il faut que vous choisissiez une de ces options. You must choose one of these options. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. Il faut que je réfléchisse aux options possibles. I must think about the possibles options. Après 12 cafés, je serai plus efficace. After 12 coffees, I will be more efficient. Il faut que tu choisisses un bon avocat. You must choose a good lawyer. Il faut que nous remplissions vite ces documents. We must quickly fill out these documents. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. They are assembling next to their workplace. Il faut qu'Hélène finisse d'écrire sa conclusion. Hélène must Ellen must finish reading her conclusion. Oh, cette vache ça. Travaille dans l'agriculture. C'est bon ça. Cette vache. This cow works in agriculture. Agriculture. You only read the conclusion of the report. Tu lis seulement la conclusion des rapports. Vous ne lisez. Vous.
Ne. Lisez. Que les conclusions. Que. La. Conclusion. Des. Rapports. Il ne faut pas qu'elle finisse ça trop tard. They. Must. They must not finish it's too late. À l'entretien, on m'a posé des questions bizarres. At the interview, I was asked weird questions. I had serious doubts about his conclusion. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. J'ai de sérieux doutes. Electronic signatures are safe and quick. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. I have serious doubts about his conclusion. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. Do you want a slice of toast? Tu veux une tranche de pain? Oh! Tu veux une tranche de pain grillé? Les employés peuvent déjeuner sur leur lieu de travail. Employees can have lunch at their place of work. Alors, ton entretien s'est bien passé? Well, your interview went well. Elle étudie le droit dans le but de devenir juge. She is studying the law with a goal of becoming a judge. She is studying law with the goal with the goal of becoming a judge. Il faut que notre équipe de travail grandisse. Our work team must grow. Quand est la traduction? Alors, qui est la traduction? Quelle est la traduction français. En français de ces caractères chinois? What is the French translation of these Chinese characters? They assemble after their work hours. Ils se réunissent après leurs heures de travail. Ils se réunissent après leurs heures. How many slices of ham do you want? Combien de tranches? De jambon. Voulez-vous? Il n'y a plus de poire au supermarché. There are not any pears at the supermarket. This van that you bought is not bad. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. Allez, j'ai fait la même erreur. Do you want a slice of toast? Tu veux une tranche de pain grillé? Elle étudie le droit dans le but de devenir juge. She is studying law with the goal of becoming a judge. They assemble after their work hours. Ils se assemblent après leur
heures de travail. Ils se réunissent après leurs heures de travail. This van that you bought is not bad. Cette camionnette que tu as achetée n'est pas mal. Camionnette. They assembly after their work hours. Ils se rassemblent après leurs heures de travail. Ils se réunissent. Ils se réunissent après leurs heures de travail.
Ok, c'est reparti. Let's reuse it. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. They are assembling next to their workplace. Je voudrais faire une carrière dans l'agriculture bio. C'est bien, tu adores être dehors. That's it's good, you love being outside. À l'entretien, on m'a posé des questions bizarres. At the interview, I was asked what questions. Cette vache travaille dans l'agriculture. This cow works in agriculture. Il faut que tu choisisses un bon avocat. You must choose a good lawyer. Je lui envoie la traduction espagnole de ce rapport. I am sending off her the translation. I am sending Spanish translation of this report. I am sending Spanish translation. Ouais, je sais plus. I am sending her the Spanish translation of this report. They must not assemble too often. Il ne faut pas que il. They must not assemble too often. Il ne faut pas. Se rétro souvent. Il faut que je choisisse une date pour la réunion. I must choose a date for the meeting. He must not choose that position. Il ne faut pas que il choisisse déjeuner ce poste déjeuner. Il ne faut pas qu'il se réunisse trop souvent. They must not sleep too often. Il faut que nous finissions ce rapport. We must finish this report. Je lui envoie la traduction espagnole de ce rapport. I am sending her the Spanish translation of this report. They must not have seen too often. Il ne faut pas. Ne faut pas que ils se réunissent trop souvent. Mince, c'est pas ça. Il ne faut pas qu'ils. Ah non, c'est il ça. Ne faut pas. Il ne faut pas. Ne. Pas que il se réunit trop souvent. Il ne faut pas qu'il se réunisse trop souvent. Ben c'est ça que j'écris moi. Il ne faut pas que il se réunisse trop souvent. I'm tired.
Il en a marre parce que son employeur ne paye pas les heures supplémentaires. He is fed up because his employer does not pay for extra hours. Ingénieur en informatique, mon frère déteste ses heures de travail irrégulières. Si son employeur ne trouve pas de solution, mon frère cherchera un autre emploi. Les enfants peuvent déjeuner sur son lieu des employés. Employees can have lunch at their place of work. Je voudrais faire une carrière dans l'agriculture bio. C'est super, tu adores être dehors. That is good, you love being outside. There is a solution for every problem. Il y a une solution pour problème. Ton nouveau lieu de travail te plaît? Oui, c'est à 5 minutes de la maison. Yes, it's 5 minutes from the house. Il y a une solution pour chaque problème. There is a solution for each problems. There is a solution for every problem. This co-works in agriculture. Cette vache travaille dans l'agriculture. L'employeur cherche un ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. The employer is looking for a computer science engineer. Cet insecte, le spécialiste en agriculture, ne le connaît pas. Pourtant, il mange des champs de maïs entiers. Il faut trouver un autre expert. These employers have a lot of responsibilities. They are applauding this agricultural specialist. Ils applaudissent. Spécial en agriculture. Le chocolat est la solution à tous les problèmes. Chocolate is the solution to our problems. Ils se réunissent après leurs heures de travail. Ils se réunissent après leurs heures de travail. Ils se réunissent après leurs heures de travail. They are assembling after. They are assembling after their work time. They assemble after their work time. Work hours, they assemble. Assemble. Oh, d'accord. They assemble after their work hours. They are assembling next to their work space. Ils se réunissent à côté de leur lieu de travail. Ces employeurs ont beaucoup de responsabilités.
This empires have a lot of responsibilities. Elle travaille dans l'agriculture biologique. Il y a une solution pour chaque problème. There is a solution for every problem. Ils se réunissent après leurs heures de travail. They assemble after their work hours. Yeah. La dernière présentation a eu beaucoup de succès. Our last presentation had a lot of success. C'est quand on entretient avec le recruteur. C'est lundi, j'ai le week-end pour me préparer. It's on Monday, I have the weekend to prepare. Il est 2h du matin, mais il faut que je finisse cette présentation. Pourquoi est-ce que j'attends toujours la dernière minute? Tu verras, ton examen se passera bien. J'espère, il faut que je le réussisse pour ce job. I hope so, I must pass it for this job. I must think about my presentation. Il faut que je pense à ma présentation. Il faut que tu choisisses ce que tu vas porter pendant ton entretien. You must choose what you are going to wear during your interview. Personne n'a assisté à sa présentation. No one attended his presentation. You must pass the interview for this position. Il faut que tu entretien pour ce poste. You must lose weight to put on this suit. You must. Il faut que tu maigrisses. Il faut que tu maigrisses pour mettre ce court costume court. I absolutely must pass this interview. Il faut absolument que je réussisse cette entretien. J'ai un entretien important pour ma carrière. I have an important interview for my career. Il faut que je réfléchisse à ma présentation. I must think about my presentation. Well, your interview went well. Alors ton entretien s'est bien passé. Il faut que tu grandisses pour avoir un travail. You must grow up to have a job. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas dire. You must think about what you're going to say. I have an important interview for my career. J'ai un entretien important pour ma carrière. J'ai un entretien important pour ma carrière. I must choose a date for the meeting.
Je dois choisir une date pour la réunion. I have an important interview for my career. J'ai un entretien important pour ma carrière. Il faut que mon avion atterrisse à Paris, sinon je serai. Il faut que mon avion atterrisse à l'heure, sinon je serai en retard à la réunion. My plane must land on time, otherwise I will be late to the meeting. Vous pouvez me voir vers 16h30, oui, mais il ne faut pas qu'on finisse trop tard. Yes, but we must not finish too late. Electronic signatures are saved and kicked. Les signatures électroniques. Les signatures électroniques sont sûres et rapides. Je vous ai rendu mon contrat ce matin. Oui, monsieur, mais vous avez oublié la signature. Yes, sir, but you forgot your signature. Il ne faut pas qu'ils applaudissent au milieu de la présentation. They must not applaud in the middle of the presentation. Do the experiment before writing your conclusion. Fais l'expérience avant d'écrire tes conclusions. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. Our company must grow quickly. I have serious doubts about his conclusion. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. Il faut écrire la date ici et votre signature là. Il faut écrire la date ici et votre signature là. You must write the date here and your signature here, here, here. You forgot a signature on that page. Vous avez oublié une signature sur cette page-là. Il ne faut pas que mon entretien finisse trop tard. 11h. Il faut que l'entretien finisse à l'heure. The interview must finish on time. Il ne faut pas que l'avion atterrisse ici. The plane must not land here. Helen must finish reading her conclusion. Helen, il faut que Helen finisse de écrire sa conclusion. J'ai de sérieux doutes sur ses conclusions. I have serious doubts about. I have serious doubts about. I have serious doubts about. His conclusions. They must choose the right words. They must choose Ils ont choisi les bons mots. Il faut qu'ils choisissent les bons mots. Our company must grow quickly. Notre société grossisse rapidement.
Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. They must choose the right words. They must. Ils doivent choisir les bons mots. Our company must grow quickly. Notre société doit grandir rapidement. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. Qu'est-ce que j'écris? Il faut que notre entreprise grandisse. Hein? Ah, j'écris non. Il faut que notre entreprise grandisse rapidement. I'm tired. I need to eat now. Bye-bye.